première mi-temps, on a loupé beaucoup de shoots de loin, même si on était dans le tempo en attaque, il fallait qu'on les prenne. Mais Elal a été très bon. Et après, ce qui a fait la différence, c'est la défense. On n'a rien lâché. Et dans les 10 dernières minutes, avec les rotations, ça nous a permis de passer devant. Batou et Igor, ils ont fait un taf de dingue vraiment à l'intérieur. Juan a été très bon aussi en attaque et nous a permis de débloquer un peu les buts qu'on n'arrivait pas à mettre de loin. Donc voilà, on est très contents. Je pense que vraiment, on les a usés physiquement. On est resté dans le projet jusqu'au bout. Et puis en plus, on avait une guest star qui va pouvoir nous dire ce qu'il en a pensé de ce match. On ne pouvait pas perdre avec toi dans les tribunes, Will. Qu'est-ce que tu pensais de ça? Moi, j'ai eu peur parce que je me suis dit que j'avais pu revenir voir de match ici à Henri Normand. Tu n'étais pas le Black Cat. Non, mais j'ai eu peur. Voilà. Mais Comment on dit le Black Minou. Le Black Pépette, comme on dit dans le jargon. Mais non, j'ai assisté à un match de combat physique incroyable. Défensivement, un vrai projet défensif. Voilà, on a quelques petits péchés, mais on savait comment ça allait se terminer avec une belle victoire et de quoi faire une belle soirée. Mais bon, on va pas fanfaronner non plus, parce que c'était quand même délicat et on est tombé face à une équipe de Dijon qui malgré tout, depuis le début de la saison, est peut-être pas au niveau de l'année dernière, mais qui va poser des problèmes. Et nous, il nous reste un match pour rentrer dans les objectifs. Et puis après, partir en vacances.